Ils sont venus se marier dans la chapelle de Hanau. Toutes les cloches ont sonné. C'est le miracle de l'année. Yo soy un hombre sincero.
Jean Manson en tournée pendant tout l'été. Ne n'oublions pas que Jean était venu avec Dave rendre un hommage touchant à Joe Dassin il y a quelques mois. Merci beaucoup, Jean Manson. Avant d'accueillir Patrick Sébastien, une séquence qui est idéale pour faire la liaison entre vous et ce cher Patrick. C'est une de ses dernières émissions, c'était Garçon la suite, hommage à Audiard. Et là, c'est les tontons flingueurs. Et je suis arrivé sur le plateau. Film culte. Et je vous ai vu avec Joseph Poli, avec André Pousse, avec Claude Villers, avec Jacques Roulant, dans le rôle que tenaient Lino Ventura, Robert Dalban, Bernard Blier, j'en oublie un, Francis Blanche. Et Lefebvre. Alors, on parle beaucoup d'alcool dans cette séquence. Bien sûr. Avec le langage fleuri d'Audiard. Ils n'ont plus de whisky et ils ont sorti une bouteille fabriqué d'une manière absolument invraisemblable. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est extrêmement difficile à boire. Et à la fin de la séquence, arrive un personnage qui n'était pas dans le film de Jean Absolument. Et qui est tout à fait fascinant. Ah, il avait son secret, loulou. 50 kilos de patates, un sec de sueur de bois, et il sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. C'était un magicien, lui. Et c'est pourquoi je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave, hein? Si. Il y en a aussi. Mais non, ce n'est pas de la betterave. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là? C'est des produits chimiques qu'il y a là-dedans. Quand on voit la tête que vous avez, on comprend. Des gens qui se permettent de manger des sandwichs en plastique et de la bibine à 3 sous, c'est pas étonnant qu'ils aient une gueule de con pareil. Parce que vous avez une gueule de con. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh ben non, Bah pour une fois que c'est pas moi qui dérouille, c'est bien fait pour sa gueule. Il reste à boire? Comme quoi il faut pas faire de mal à autrui. Et qui se cachait derrière ce Jean-Pierre Coff épatant? Notre ami Patrick Sébastien, que voici.